Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve à la gare de Verteplaine pour aller faire le chemin brumeux. Donc encore une fois, ça va être une vidéo qui va être faite sur plusieurs jours parce qu'il va nous falloir faire ce chemin brumeux plusieurs fois pour y trouver le fin de césade qui s'y cache à l'intérieur ainsi que l'espèce de boss. Je vais pas vous en dire plus parce que ce serait dommage de vous spoiler la surprise. Donc moi je suis déjà à 2000 mètres parce que j'ai fait le chemin brumeux deux fois. Moi je suis qu'à 794 mètres parce que je ne l'ai fait qu'une seule fois. Donc moi la deuxième fois j'ai fait 1300 mètres. La première fois j'avais fait 794 mètres comme toi. Donc hasard ou pas. Exactement le même chiffre. J'ai fait exactement le même chiffre. Ah, donc hasard ou pas, j'en sais rien. Tu as comme l'impression que la sortie du chemin brumeux s'est un peu éloignée. Vous pouvez avoir des choses intéressantes telles que le fin de césade à ne pas louper, parce que franchement il est pas très très visible sur le chemin. Si, il y a quelqu'un qui te suit. Non mais what? Mais c'est horrible ce truc. Mais t'es qui toi? Mais t'es qui? Il y a des trucs trop bizarres dans ce chemin brumeux. Pendant que moi je me tape un vieux combat tout pourri. Non mais what? What the fuck? What? Pourquoi j'ai une petite fille qui pleure à la fenêtre? Mais pourquoi il y a une fenêtre? Ça par contre je l'avais jamais eu. Mais what? Ça vous voyez, c'est des choses à ne pas louper. En fait c'est un humainquin qui est retourné. Et c'est lui qui vous donnera le fin de Cisat numéro 3 en fait. Donc il faut vraiment pas les louper ces jambes à l'envers. J'ai fait légèrement plus, c'est pas grand chose hein. Oh. Waouh. Oh, j'ai la grosse bête. What? Mais c'est grave stylé chez toi. Ah non, je préfère chez moi en fait. Chez toi aussi c'est grave stylé. Oh, mais pourquoi il y a l'espèce de truc là? Moi c'est le cap du crépuscule. Dolores. Là. Il est là. On se retrouve un autre jour, comme vous pouvez le voir. Et on a réussi à battre tous les deux notre record. Oh, c'est moi. Pourquoi il y a toi là? Hein? Demande qui c'est. Je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Qui es-tu? Je suis Nexus. Moi aussi je m'appelle Nexus. Plus important encore, il me manque quelque chose de très personnel. Il te manque quoi? Eh bien tu vois... Oh. Ok. What? Encore la fenêtre. Oh. Mais d'ailleurs je me demande quand est-ce que ça va se finir pour moi, parce que c'est pas tout ça, mais... 4600 mètres, elle a fait 2600 mètres là pour ce chemin brumeux. Ouais, pour aujourd'hui j'ai fait 2600 mètres de plus quoi. Moi du coup j'avais déjà vu ça la dernière fois. J'attends ici depuis tout ce temps à regarder les gens prendre le chemin. Regarde, un autre toit s'approche. Ok, moi je me casse. Ok. Wow. On se retrouve un nouveau jour. What? Tu l'as vu ou pas? Ouais, ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, t'inquiète pas. On est dans un nouveau jour. Donc là... On essaye de dépasser les 4900 mètres de... pour moi et 2000 pour Nexus. On est au troisième jour et pour toi, t'es à ton quatrième jour. Ouais, quatrième jour, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Ok, bonjour messieurs. Et j'ai eu un mec à l'envers, bah, elle a les mains sales. On a commencé à repérer un petit peu... les réponses de chacun pour avoir les sorties s'éloignent, les sorties se rapprochent. Bon, il y a encore quelques fails, mais globalement, on se débrouille plutôt pas mal. Ouais, exactement. Les amis, c'est la première fois qu'on a le train. Mais ouais, grave, je pensais pas qu'il était dans Yo-Kai Watch 3. Alors, ça, il me semble, soit ça te fait avancer de ouf, soit ça te fait reculer. Je ne sais plus. On va voir. Soit c'est de la chance, soit c'est de la malchance. Ah, dans tous les cas, on va avancer. Je te souhaite d'avoir de la chance. Je crois hein. que j'ai de la chance parce que j'avance. Ouais, il a l'air d'avancer. T'étais pas là avant, les épouvantails. C'est au moins, ouais, tu vois, c'est au moins à 3000 mètres et quelques. Ah ouais, wow. Il m'a bien avancé là, de ouf en fait. What the fuck? Ok. Pourquoi t'es... Tu sais qu'il y a la même chose dans Yo-Kai Watch 2, dans le tunnel infini. Je l'avais eu ce truc là. Je me suis dit mais what? On était en train d'avancer tranquillement. On vous reprend un nouveau jour. Voilà. Donc là, moi je suis on au 5ème jour, toi t'es au 6ème jour et il se passe encore des trucs un peu chaud. Nexus m'a dit de prendre le train. On va voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Ah, il part en avant, j'ai l'impression. Ouais. Sinon, il serait parti dans l'autre sens. On va voir. Ça t'a avancé combien de mètres? Tu as fait bon voyage. Ouais. Je suis toujours dans les espèces de d'éventails, tu sais, sur les côtés. J'ai l'impression que j'ai reculé. Moi aussi, j'ai le train. Oh non, je suis à la sortie. Ah ouais, mais je suis à la sortie de combien de mètres? Oh! Ah, t'as pas du tout encore? Bon, bah. Rip. Il m'a bien avancé, mais il m'a direct à la sortie. J'ai toujours la maison hantée. Ouah, t'es trop stylé chez moi. Ouais, ça, on l'avait pas encore vu, toi. Oui, il est revenu. L'heure est proche.
C'est sympathique. Bon, moi je pense que je vais toujours avoir la même cinématique, hein. Bon, bah c'est tout. C'est tout ce que j'avais de mon côté. Et là, un autre toit s'approche. Oh bordel. Ah, mais celle-là, on l'a déjà vu, celle-là. What? Non, on l'a pas eu celle-là. C'est pas la même. Il a évolué. Ok. C'est de pire en pire. Nous sommes le 7e jour. Et j'en ai marre parce que ça fait la 3e fois qu'on me renverse dans ce jeu. Je commence à perdre l'équilibre, je ne sais plus comment avancer. Et ça fait 3 fois que je croise ce mec qui fait son poirier. Ça fait 3 fois que je décide de ne pas le pousser. Ça se trouve, il faut que tu le pousses en fait. Tu crois qu'il faut que je le pousse? J'en sais rien, mais tu sauras jamais ce qui va se passer si tu le pousses. Ça commence à faire beaucoup la 3 fois où je me renverse en fait. Ouais, c'est une 4e fois que tu le revois, bah, tu le pousses. Là, je le pousse. Il va se passer quelque chose. Je vais finir par avoir réellement le tournis. Monsieur, je suis désolée, mais je vais être dans l'obligation de vous pousser. Pousse-le! Je suis désolée! T'as vu comment il s'appelle, le mec? Pro du poirier à l'envers. What? Je viens de tuer quelqu'un! J'ai pas compris. Oh mon dieu, meurtrière que je suis. Oh bordel, je commence à en avoir marre! En fait, je crois que c'est tout mon chemin que ça va être ça. Ah non, mais j'ai pas envie de... Je plaide non coupable cette fois-ci! Encore toi? Bon, c'est la dernière fois. Ne me pousse pas, quoi qu'il arrive, ne me pousse pas! Il met la pression. Je suis désolée. Je peux être non coupable à cette affaire. C'est quoi ce bordel? Ça se rapproche, c'est quoi? On m'a dit on ne bouge plus. Pardon, je te... Tu as bougé. What, t'as bougé? Oui. Fallait pas bouger. Ah mince, mais je pensais que c'était fini en fait vu que l'écran s'en allait. Mais non! J'ai dit ne pas bouger. On ne bouge plus. Pas encore. On ne bouge réellement plus cette fois-ci. Tu touches pas. Je pense qu'on aurait dû vous faire un best-of de toutes les choses les plus cheloues qui sont passées pendant qu'on filmait le chemin brumeux en une semaine. C'est ultra stressant. Tu touches pas. Je ne touche pas. Tu l'auras voulu. C'est quoi cette arnaque? C'est nul. Ah mais non! Mais ça n'a rien à voir! Tout à l'heure c'était des yokai random, là maintenant c'est triptyque. Chope-le! Bah oui! Y'a un tremblement de terre maintenant les gars! What? En fait là la chose que je... Bonjour. Oh bordel! Non, j'ai rien demandé à personne! Je me suis fait manger. Bon, je suis arrivée à 8000 mètres. J'étais en train de prier pour avoir le fantisat numéro 3. Le fantisat que beaucoup de monde recherche. Je pense que du coup, on fera ça dans une prochaine vidéo. On va le chercher, continuer à faire le chemin brumeux pour essayer de l'obtenir. Mais voilà, sachez que c'est comme ça qu'on l'obtient dans le chemin brumeux. Mais je pense qu'on vous sortira quand même cet épisode comme ceci. T'as vu, t'as un trophée? Ouais, j'ai la maison et j'ai un trophée. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est chez toi, parce que chez moi, on l'a déjà vu. Bien. Il est presque arrivé. Alors, prêt à te retourner? Oui. Tu es sûr? Tu ne pourras pas faire marche arrière. Je t'ai eu. Je t'ai enfin eu. Oh! Il est chelou, lui. Et on a le boss final du chemin brumeux. Donc je sais pas quel niveau il faut être, j'en ai strictement aucune idée. What the fuck? Attends, j'ai pas compris, là. Ne laisse pas Rodin aller ici. Ne laisse pas Rodin aller ici? Sa toute tête tourne à la vue d'un yokai. Sa tête tourne à la vue d'un yokai, donc ça veut dire que si je bouge, sa tête va tourner. Ouais, mais peut-être pas quand il finit ultime, tu vois. Du coup, je pense qu'on vous séparera ça en 2 vidéos. C'est-à-dire que du coup, on ira vous chercher le Fantasizat 3 dans une prochaine vidéo. Ouais, par contre, il prend lourd. Non, franchement, je suis du bon niveau pour l'avoir. Hein. Oula. Par contre, là, il faut reculer. Parce que du coup, on n'a pas eu de chance et on n'a pas obtenu le Fantasizat numéro 3. Si quelqu'un a fait en sorte que Monsieur Rodin aille dans ces espèces de points d'exclamation,
Bah qui... Ou la tu vois il avance. Non, je pense que tu vas le finir avant. Ouais, mais tu vois, il faut que je remette mes yokai devant. Attends. Il a reculé. Oui, parce que j'ai avancé. T'as vu, il suit mes yokai. Ah, ok. Donc faut absolument pas que tes 3 yokai soient derrière, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Que là, je vais être obligé de me prendre les dégâts. Et tant pis, juste pour le finir, tu vois, mais... Faut éviter qu'il aille dans sa zone, parce que je pense vraiment que c'est perdu, par contre, si je l'emmène dans son truc. Tu penses, ou alors est-ce qu'il fait une attaque un peu spéciale? Tu l'as vaincu, mais ce n'est pas la fin. Oh. On dirait qu'il t'aime bien. Qui es-tu? J'espère qu'on se reverra un jour. Ah d'accord. C'est pas fini, ou alors... Non, il n'y a plus rien. Après quelques recherches sur internet, en fait, si on est bien arrivé au bout du chemin brumeux, et en fait, pour le fin de Sisat, c'est une forme de chance, en fait. Plus vous avancez, plus vous avez de chance, mais vous pouvez très bien l'avoir au tout début, à 1000 mètres, en fait, si j'ai bien compris. Il faut absolument parler à tous les humains-quins que vous croisez pour penser l'avoir. C'est que de la chance, en fait. Vous allez avoir des objets un peu aléatoires, et avec la chance, vous aurez la fin de Sisat. Parce que j'ai vu des personnes qui l'avaient eu à 1000 mètres, 1500 mètres, donc à mon avis, c'est juste qu'on n'a vraiment pas eu de chance. Une ruelle sombre et déserte. Tout à coup, un bruit résonne derrière. Une seule chose à faire, ne pas se retourner. Rhoda, je vais t'attraper. Voilà. Okay. Eh ben écoutez, c'est sur ça qu'on va s'arrêter pour le chemin brumeux. On vous fera le fin de Sisat numéro 3. On va continuer de filmer le chemin brumeux pour vous montrer où est-ce qu'on l'aura et quand est-ce qu'on l'aura. Et on vous fera sa quête avec. Hein. Exactement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on vous laisse et à la prochaine. Allez, ciao, salut tout le monde.